Moi, je connais le ballet junior depuis très longtemps. Et ma première chorégraphie s'était faite au ballet junior, avec Béatrice Consuelo, qui m'avait demandé à l'époque. Donc j'ai un lien un peu particulier. Sean et Patrice m'avaient demandé de faire un travail, un lien avec Electron. Et là, j'ai sauté dans l'occasion pour travailler avec Mokov, qui j'avais envie, j'ai demandé que ce soit lui. Et donc ça tombait. Je sais qu'il est venu déjà il y a 3 ans, donc j'avais vu. Moi, j'ai déjà fait des pièces avec sa musique, j'ai fait Sideways Rank avec sa musique. J'avais utilisé même d'autres pièces, des petits bouts comme ça. J'ai demandé de travailler avec lui, il a accepté. Je pense qu'il connaissait la compagnie. En tout cas, quand c'était passé par Electron, j'ai demandé que ce soit lui, il a posé la question, il a accepté. Or, j'ai su après, quand je suis allé à Barcelone le rencontrer, qui, comme j'ai fait Sideways Rank, je pense qu'il doit recevoir des droits d'auteur, il a dit, et sa femme, elle était danseuse. Il avait vu sur internet la compagnie et il aimait bien ce qu'on faisait. Donc je pense qu'il y a déjà un contact indirect qui s'établit et tant mieux. Et après, j'ai eu un peu peur à un moment parce que je me suis rendu compte qu'on devait faire la première à l'ADC sans sa musique composée. Et donc il a dû composer pour une pièce qui existait déjà. Ça qui allait. Il y a des avantages et des avantages aussi. Hein. Et là, il a fait ça sublimement. C'était incroyable. Et chaque fois qu'il y avait juste un moment, je dis, mais là, c'est un peu descriptif, on est un peu trop ensemble. Il dit, oui, t'as raison. Il changeait. Là, je dis, bon, ça, c'est un peu trop mélo. Je faisais une remarque et sa réponse était très juste. Et Documentus, c'est une pièce qui, au fond, c'est dans une ligne de recherche que je suis en train de travailler depuis un certain temps. Et c'est une base de recherche pour un futur travail. Je pense que c'est une pièce très difficile à décrire parce que c'est justement elle est très très esthétique. Elle est dans la lignée des J'étuis, les Sideways Rank, qui c'est que j'appelle, c'est une. Elle est très graphique. C'est une pièce qui est. Moi je travaillais comme si c'était un paysage. C'est comme si j'ai dessiné des paysages. Et donc il y a comme une désincarnation esthétiquement, on ne voit plus de corps, on voit des paysages. Donc elle est travaillée pour que vous ne soyez, pour que les danseurs ne soient plus des êtres humains. Et en même temps, paradoxalement, j'arrête pas de dire, mais soyez vous-même, faites vraiment comme vous avez envie, si vous voulez faire un mouvement, faites-les, levez-vous naturellement. Parce que justement, cette quantité de monde, d'interprètes, les spectateurs sont plutôt intéressants, c'est cette zoom, d'un gros plan à un plan large. On regarde, voilà, tous ces danseurs qui font des mouvements, qui me font penser à quelque chose, ou à la mer qui bouge. Et d'un coup, sans que je sache pourquoi, hein, c'est de l'ordre de l'inconscient, il y a quelqu'un qui j'y regarde et j'y reste avec pendant quelques secondes. Je ne peux pas m'empêcher de regarder certaines personnes. Je ne peux pas toujours. C'est rare que quelqu'un regarde comme ça. Les spectateurs, il a sa vie personnelle, son bagage, et il va choisir quelqu'un. Et à un certain moment, j'ai suivi un ou une d'un interprète. J'ai la reste quelques secondes, et après, je ressors. Donc, il y a un vrai... je passe de l'intime, du personnel, et les mouvements sont très personnels. D'ailleurs, je vous dis souvent, je ne veux pas qu'il vous fasse la même forme que l'autre. C'est la même intention. Et après, d'un coup, on ressort. Et ça, j'aime beaucoup ce mouvement comme ça, des zooms comme ça. Guy got in touch with me for this project a few months ago, and we met in Barcelona a few months back, and he showed me some pictures and some small clips of the already work in progress of the choreography. And after that, I started to develop some rough ideas, and but it wasn't until he sent me the whole piece that, especially the last one that you guys presented, was like 2 weeks ago. Yeah, he sent me that video, and after that, I went on nonstop, every day working. It was so easy because I feel very close to his intention. It seems like his attention is on texture and on landscape and texture, which are some of my main interests as well, music. So it was quite easy to
to come up with musical ideas for this choreography. I love it. Okay. I love it. Yeah. I love it. Yeah. I think this, like I said, is I love the animals. The animals, but they look like microbes, like bacteria sometimes, like dying fish. When you guys do the, he says it's pancakes, but for me it's more like dying fish. So yeah, I really like it. I really like the whole very organic and uneven and yeah, I'm really really happy to be part of the project.